Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons faire notre première façade. Donc, ça sera une façade alsacienne, donc pour aller avec mes petites maisons alsaciennes, pour faire un petit coin vraiment typique marché de Noël alsacien. Là, ce qu'on va faire, bien sûr, on va faire des scénettes intérieures. Donc, il va nous falloir un peu de travail pour ça. Il faudra qu'on y colle un petit carton, hein, je vous montrerai ça. En bas, je vais faire le bar et en haut, je vais faire les tables du restaurant. Donc, vous voyez, on n'a pas beaucoup de marge. Il va vraiment falloir travailler dans la miniature, étant donné qu'il faut que la lumière passe. Donc, notre scénette n'aura pas plus de 3 cm de profondeur. Hein, voilà. Donc, je vous retrouve après ça. À tout à l'heure. Voilà notre première petite vitrine. Donc, le bar fait en petite languette de bois. Les petits poufs, c'est un petit rond de carton, hein, recouvert, oui j'en ai nouveau plein les doigts comme d'habitude, recouvert de petits tissus. Les pieds sont des cure-dents tout simplement, donc voilà, à l'arrière j'ai fait une petite déco Noël. Et donc ça sera notre première vitrine du bas. Et voilà la deuxième scénette. Donc j'ai mis du ruban argenté pour changer, j'ai décoré les petites tables façon, les petites chaises façon Noël. Les petites tables avec une petite nappe assortie, on va dire. Et donc là, pour vous montrer, vous voyez en bas, la vitrine est déjà mise. Donc la vitrine, j'ai utilisé du plastique, hein, tout simple. Donc c'était une boîte d'emballage de pâtisserie industrielle, on va dire, voilà. Qui sert très bien, en fait, pour les vitrines, hein, comme ça, ça sera parfait. Donc je vais faire la même chose en haut, je vais mettre en place. Et ensuite, on pourra coller notre façade et l'empâter avec la pâte autodurcissante. Et donc y faire tous les reliefs. Alors, notre petite façade est montée. Hein, donc bien sûr, il manque le toit qu'on fera en dernier. C'est plutôt mignon. J'ai fait un test avec la lumière. Donc il faudra une guirlande fil, par contre, hein, pour éclairer correctement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la pâte autodurcissante. Donc sur le bas, on fera l'impression brique. Ici, donc ça sera les poutres. Et après, ici, on mettra bien sûr des petits volets et on la décorera façon Noël alsacien. Eh bien, je vous donne rendez-vous après tout ça. Alors, pour vous montrer un peu l'avancée de tout ça, donc les volets, je les ai vraiment faits à l'alsacienne avec les grandes étoiles collées dessus. Si vous ne connaissez pas vraiment, regardez un peu les photos sur Google, hein, c'est vraiment ce genre-là, avec la grosse déco au milieu. Donc j'ai mis un gros flot, et puis en bas, hein, les petites boules dorées, vous savez, ces fameuses petites boules qui nous servent énormément en fait en miniature, hein, pour reproduire des boules de sapin de Noël. Donc voilà, la porte a pris place aussi, il ne me reste qu'à faire le toit, à monter tout ça, et puis la maison sera terminée. Et la voici, la voilà, notre première façade alsacienne. Donc c'est le Wünschtub. Et je ne sais pas que vous dire, hein, elle est donc finie. Donc décorée à l'alsacienne, les grosses décorations, les étoiles sur les volets. Donc j'ai choisi d'y mettre une guirlande extérieure avec des petites étoiles. Vous verrez pourquoi par la suite. Bien entendu, je vous fais les photos. Vous voyez, j'ai fait les petits stores en washi tape. Vraiment, les washi tape, il faut vous équiper de ça. C'est vraiment incontournable, on va dire. Ça va vraiment vous dépanner pour beaucoup de choses. Le toit, je l'ai imprimé donc avec les moules en silicone que j'avais donc eux-mêmes imprimés sur des maisons Le Max. Hein, voilà, donc les petites tuiles, elles sont faites. Hein. Donc, il est enneigé. Je vais vous faire les photos de ce joli Wünschtub sous tous les angles. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. Donc sur le côté, j'ai mis les sapins que je vous avais montrés dans une autre petite vidéo, vous voyez, en trompe-l'œil. Et donc, je leur ai accroché une petite étoile à tous les trois au sommet. Franchement, c'est trop mignon. Bref, je vous fais les photos. Pensez à vous abonner. La deuxième façade arrive très bientôt. Vous abonnez, c'est gratuit. Vous activez la cloche des notifs. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.